Ok. Épisode 9. 8. 9. 9 déjà. 9, donc ils ont le droit de nous attaquer s'ils ont fini toute leur Ce qui est le cas. ce qui est sûrement le cas, ouais. Que je vais renforcer notre muraille. Ce qui veut dire qu'à mon avis, les connaissances sont déjà mis en route. Hein. Je suis assez d'accord. Donc équipez-vous surtout. Ouais. Il aurait fallu renforcer la muraille avant. Renforcer quoi? Qu'est-ce que tu fais? Mais la doubler quoi. Ouais. Voire même la tripler, la quadrupler quoi. Ouais ouais. Histoire que il leur faut ouais. plus d'une TNT tu vois. Et là elle est trop basse là. Trop basse là où je suis. C'est clair. On sait de quel côté ils arrivent au fait? Ouais, là où il y a la neige. Ouais. Là-bas. Ah ouais, il y a de la neige partout. Ouais, c'est côté forêt de sapin là. Ouais. Ils sont capables d'avoir fait tout le tour pour nous contourner. Ça c'est sûr. J'ai récupéré un peu de bois, qui veut du bois? Faire le toit. Ouais. On en est où là dans nos objectifs? On a le jardin, mais le jardin il faut vraiment que je le développe encore. Je sens qu'ils vont nous attaquer. Il faut mettre une fleur jaune et une fleur rouge aussi dans le jardin, etc. Bon, moi je vais essayer de chercher des champignons rouges, je reviens. Et moi je vais récupérer de la pierre encore et encore. Parce que les champignons rouges, on n'a pas de soupe de champignons, et la soupe de champignons c'est la vie. Oula. Quoi? J'ai un gros frisson. Ah. Je suis à 2 FPS. Ça y est, c'est bon. Putain. Comment on fait un bouton déjà? De la cobble. Deux l'un sur l'autre, je crois. Non. Deux cobble, mais faut qu'elle soit. Putain, je sais plus non plus. Faut qu'elle soit passée au four avant, je crois. Ah bon? Il me semble, ouais. Champignon rouge quoi. Si là, c'est bon, j'en ai un. J'ai un
champignons rouges, on pourra faire des... Bah du coup je sais plus comment on fait non plus. Tu trouves pas là? J'ai regardé vite fait dans le wiki mais... Ah finalement t'as enlevé la dalle de terre au-dessus hein. Ouais finalement ouais, parce que Chuck a raison, c'est pour qu'on puisse les attaquer du haut comme ça. Par contre il nous faudrait des flèches en quantité quoi. Bah le problème c'est qu'il nous faut du silex. Mais silex il suffit de... Et des plumes. Il suffit d'avoir du gravier, ah ouais les plumes surtout, plus chiant. Faudrait des poulets. Ouais. Ouais mais le problème c'est que vous êtes foutu de moi quand j'ai commencé à faire mon élevage. Non. Et l'élevage il a disparu, je sais pas pourquoi, je sais pas le truc, les spawns de mobs ont disparu. Non c'est pas foutu de toi. Oh c'est de même. On peut faire des boutons cœur en pierre? Ouais. Mais tu peux faire des interrupteurs sinon. Ouais c'est ça un interrupteur, un bouton. Bah il y a un bouton, il y a un interrupteur, il y a deux trucs différents. Ah. Un interrupteur ça ressemble à ça. Ça. Ah c'est les petits. Ouais voilà. Ouais voilà. Et comment on fait ça? Un bâton et un bout ouais, de bois. Ouais c'est bon. Un caillou et un bout de bois. Ouais. Mais t'en as un. Ah ok. T'en as un. Ouais merci. Bah si. Ouais. Eddie, t'es à l'intérieur? Non, je suis à l'intérieur. Enfin, je suis à l'intérieur, ouais. Je voulais doubler la... Tu pourrais m'ouvrir la porte? Ah non, je suis à l'extérieur. Ah non, je suis à l'extérieur. Bon, attends, non, bah, je vais me débrouiller. Quelle porte? Porte en fer? Bon, j'ai 13 champignons rouges en fer. Putain, y'a un Underman juste dehors là. Bah non, normalement non. Bah ouais, y'en avait un, je t'ai promis. Bon, si vous voulez rentrer dans la maison, soit vous pétez un mur, mais ça c'est chiant parce que ça fait quasi une triple épaisseur. Mmh. Soit vous me dites d'ouvrir la porte en fer. Quand tu restes à l'intérieur, toi, tu te mouilles pas quoi. Mouche comme ça. Bon, je veux bien sortir, hein, mais bon. On a combien de champignons marrons? Un champignon marron. Je crois que j'en ai vu 4 ou 5 dans les coffres. Seulement. Putain, ça, il va se coucher. Je suis sûr qu'ils vont nous attaquer de nuit. S'ils attaquent. Ding dong!
Forcément, j'ai pété le mur où il y avait le levier. Bah voilà, on peut refaire de la soupe de champignons. Putain, il reste plus qu'un champignon, c'est quoi ce délire? 5 champignons seulement. Tu fais quoi, Chrono? Je surveille. Et je regardais ce qui popait comme mob, mais il y a trop de mobs qui ont popé. On l'a pas mis le totem en fait? Non. Si. Faut qu'on le mette maintenant. Non, on le met pas. Ah si, si, c'est le 9ème jour. On n'est pas obligé. Si, le 9ème jour, on est obligé. À partir d'aujourd'hui, ils peuvent venir nous le prendre. Normalement. Ah ouais, mais faut le mettre au deuxième. Faut le mettre en haut. C'est ce que je dis, ouais. Allez, on le met. Voir faire un autre étage encore. Au deuxième? Ouais. On le met au plein centre. Ouais, là où t'es, ouais. Il faut qu'il soit accessible. Bah oui, on est en train de faire le, ouais, le plein. C'est le deuxième étage. Tu voulais du bois toi, Kouchek, en fait. Je t'ai remis du bois brut, hein. Oh là là, il faut qu'on récupère encore des ressources. On est à la ramasse là, il faut que je t'en refasse des poulets pour des plumes. Le problème c'est ça, c'est qu'il nous manque carrément. Il est bien là notre totem. On fait pas de plancher, on est tranquille. J'en ai marre de faire le gay. Ouais, c'est clair, parce que ça nous fait pas avancer. Hein. C'est quoi ça? Ah, c'est un dispenser à flèche. Bah non, mais c'est pas ça, c'est qu'il faut qu'on commence à surveiller quoi. T'inquiète, s'ils arrivent avec la TNT, on les entendra. Hein. Non, mais justement, j'aimerais qu'on puisse au moins les flinguer, au moins en flinguer un. Les flinguer, on a même pas d'arc ni de flèche. T'en as combien? Quelqu'un ferme la porte? Je sors là. Ouais. C'est pour ça qu'il vaut mieux mettre un interrupteur en fait. T'es genre une plaque de pression. Ou que chacun porte un bouton sur lui, tu vois. Aussi. Oui. Coûte rien. Faudrait faire le toit, enfin je sais pas où t'en es, Kuchek. J'essaye de faire un piège. Ah. Le toit, c'est pas très grave. Ah, s'ils arrivent en volant. En volant. Ils s'en fourbent, bah, tu sais. Tente aller en combattre dans la nuit là des mobs. Putain, il y a forcément.
sont du culpeur. Il faudrait qu'on sorte récolter des ressources sur les mobs. Ah bah, pour l'instant, on s'occupe des pierres, de tout ça. Bah, le problème, c'est qu'on prend le retard. Ouais. J'arrive pas à combler le retard, en fait. Écoute, moi, je récupère de la pierre, je fais la muraille, on fait la maison, on avance, hein, pour l'instant. Il faut aller à deux, il faut aller à deux, il faut aller à deux pour tuer le... pour tuer les babous. Putain, j'ai cru que c'était quelqu'un d'autre, t'as eu... Comment on fait pour alimenter un dispensaire? Non, de base, il est alimenté. Ouais, mais comment tu le déclenches? Bah, plaque pression ou autre. Ouais, mais tu fais bien un circuit. Ah oui, tu mets le faut que la redstone arrive à lui, quoi, c'est tout. Mais ça a tiré. On a plus de fer? Il est où? Si. Ah, moi ça tire pas. Il est où le fer? T'as mis quelque chose dedans dans ton dispenser? Ouais, j'ai mis des œufs. Hein, le fer il est passé où? Pas, moi il est dans le coffre. Tu sais, t'as plusieurs coffres. Ah non, je savais pas. Ouais, bon, y'a plus de fer, écoute. Bah, sinon. Là, je viens d'en remettre deux, mais j'en ai mis à chauffer, c'est tout. Qu'est-ce qui sert, ça aurait fait une armure en fer complète? Ça y est, j'ai réussi à le faire marcher. Non, c'est pas normal qu'il y ait plus de fer. Si, y'a du fer normalement en bas. Ouais, bah, j'ai pas trouvé. Ah, super. Ça va. J'ai fait la porte. Ça va. À 35 à vous. Putain d'araignée. Par contre, on a des trucs à bouffer là. Dans le coffre, sûrement, je sais pas. Ding dong. Ouais. Ding dong. J'arrive. T'es ouvert. Putain, c'est jamais la bonne. C'est avant-dernière. Par contre, si on fait ça comme ça. Il faut qu'on trouve un moyen ici de pouvoir les piéger à la place de. Tu vois, que genre un saut de lave ou un truc, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois qu'à la place d'ici, en fait, il faut qu'on fasse des trappes. En gros, ici, là, c'est là, je suppose que. Vas-y. C'est la bonne. Je sais plus laquelle c'est la bonne. Putain, c'est laquelle la bonne. Quelqu'un peut se mettre au niveau de l'entrée de la bonne. Si, quoi, des trappes quoi. Parce que là, il faut qu'on puisse, j'aurais dit un cube de lave, moi, à l'origine, mais le problème, c'est qu'on a fait le sol en bois. Ah, bon, on peut changer le sol et mettre de... Là, on fait un carré de pierre tout autour, tu vois. Et ouais, ouais. Genre, ouais, tu mets un seau de lave, quoi. Flah, tu les brûles, quoi. Et tu récupères la lave. Dès que c'est fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Le dispenser il s'active qu'une fois? Ah oui, il faut que tu fasses une boucle pour que ça tire. Boucle. Faut que je fasse une boucle. Non, elle a tiré tous les œufs tout à l'heure. Eh, pour qu'il tire à répétition. Bah sinon je fous des dalles de déclenchement partout.
Cut. Ok. Allez, fin de l'épisode. Allez, à plus tard.